Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette deuxième méditation dans le livre du prophète Ézéchiel. La dernière fois, nous avions vu que Dieu n'avait pas abandonné son peuple, déporté, en exil, en Babylonie, mais qu'il s'était révélé au prophète Ézéchiel à travers des visions. Et la question que nous nous posons, bien évidemment, c'est qu'est-ce qu'Ézéchiel a pu voir dans ces visions Je vous invite à suivre la lecture. Du prophète Ézéchiel dans le chapitre 1, à partir du verset 4. Alors que je regardais, un vent impétueux est arrivé du nord, ainsi qu'une grande nuée et une gerbe de feu. Tout autour, une lumière rayonnait. Au centre, il y avait comme un éclat étincelant qui sortait du milieu du feu. Au centre encore, quelque chose ressemblait à quatre êtres vivants. Leur aspect était proche de celui des hommes. Chacun d'eux avait quatre visages et quatre ailes. Leurs jambes étaient droites et leurs pieds pareils aux sabots d'un taureau. Ils étincelaient comme du bronze poli. Ils avaient des mains d'homme sous leurs ailes, sur les quatre côtés. Sur les quatre côtés, il y avait aussi leurs visages et leurs ailes. Ceci pour chacun des quatre êtres vivants. Leurs ailes se touchaient l'une l'autre. Ils se déplaçaient sans dévier. Chacun allait droit devant lui. Un de leurs visages ressemblait à celui des hommes, mais tous les quatre avaient aussi une face de lion à droite, une face de taureau à gauche et une face d'aigle. Voilà pour leurs visages. Leurs ailes étaient déployées vers le haut. Deux de leurs ailes touchaient celles d'un autre et deux couvraient leur corps. Chacun allait droit devant lui. Ils allaient là où l'esprit allait. Ils se déplaçaient et ils se déplaçaient sans dévier. Ces êtres vivants ressemblaient par leur aspect à des braises incandescentes. C'était pareil à l'aspect de torches enflammées. Un feu circulait entre les êtres vivants. Il jetait de la lumière et il en sortait des éclairs. Les êtres vivants couraient et revenaient comme la foudre. Je regardais ces êtres vivants et j'ai vu que sur la terre se trouvait une roue à côté de chacun des êtres vivants aux quatre visages. Dans leur aspect et leur structure, les roues avaient un éclat pareil à celui de la chrysolite, et toutes les quatre étaient pareilles. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. Dans leur déplacement, elles pouvaient suivre les quatre directions prises par les êtres vivants. Et elles se déplaçaient sans dévier. La hauteur de leur jante était effrayante, et les jantes des quatre roues étaient couvertes d'yeux tout autour. Les roues suivaient les êtres vivants dans leur déplacement. Quand les êtres vivants s'élevaient au dessus de la terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient là où l'esprit allait. Et les roues s'élevaient simultanément avec eux, car l'esprit des êtres vivants était dans les roues. Quand ils se déplaçaient, elles se déplaçaient. Et quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient au dessus de la terre, les roues s'élevaient simultanément avec eux, car l'esprit des êtres vivants était dans les roues. C'est une vision complexe qui commence par une tempête, par un orage, et qui devient ensuite surnaturelle. Les spécialistes parlent d'un langage apocalyptique pour décrire le style d'Ézéchiel ici. Cela veut dire pour nous qu'il y a de nombreux détails, de nombreux symboles qui vont nous échapper et que ça ne sert à rien d'essayer de comprendre le texte de façon linéaire. Mais malgré cette complexité, il y en a néanmoins trois points essentiels qui se détachent, et je vous invite à suivre avec moi dans le texte, nous allons repérer ces trois points essentiels. Premier point essentiel. Dans cette tempête émergent quatre êtres vivants. Ils ressemblent à des hommes. Ils ont quatre visages, quatre ailes, des jambes, des pieds, des mains. Revenons un instant à leurs visages. Quatre visages particuliers. Un visage d'homme, un visage de lion, un visage de taureau et un visage d'aigle. Et là, nous nous laissons guider par la symbolique biblique. L'homme représente l'intelligence. Le lion représente la royauté. C'est le roi des animaux. Le taureau représente la puissance. La marque de voiture de sport Lamborghini ne s'y est pas trompée en choisissant le taureau comme emblème. Et enfin, l'aigle est le symbole dans la Bible de la compassion. Parce que aigle ont une fa... les aigles ont une façon particulière de s'y prendre avec leurs enfants. Quand ils sentent que leurs enfants sont prêts à voler, ils les poussent hors du nid et le père se tient prêt à les soutenir de ses ailes en cas de besoin. Et à plusieurs reprises dans la Bible, Dieu est décrit comme un aigle qui a porté les Israélites sur ses ailes, comme ses enfants. Alors qu'est-ce qu'on constate ici Eh bien, l'homme, le lion, le taureau et l'aigle, bref, ce qui se fait de mieux dans la création se met au service de Dieu dans cette révélation des quatre êtres vivants. Deuxième point essentiel, le vocabulaire du mouvement est présent partout. On remarque que les êtres vivants bougent. Ils sont quatre, ils ont quatre faces, comme les quatre points cardinaux et qui dit point cardinaux dit mouvement. Nous avons déjà remarqué tout à l'heure qu'ils ont des ailes pour se déplacer. Et verset 12, nous lisons, Chacun allait tout droit, ils allaient là où l'esprit allait, ils se déplaçaient et ils se déplaçaient sans dévier. Nous remarquons déjà que les êtres vivants ne vont pas n'importe où, ils vont là où l'esprit allait. C'est bien Dieu qui dirige. Le mouvement de ces quatre êtres vivants. Et comme si les ailes ne suffisaient pas, nous constatons au verset 15 que les êtres vivants possèdent également une roue chacun. Toujours le vocabulaire du mouvement. Une roue à côté de chacun des êtres vivants. Et avec ces roues, exactement comme avec les ailes, eh bien, ils se déplacent. Verset 19. Les roues suivaient les êtres vivants dans leur déplacement. Quand les êtres vivants s'élevaient au-dessus de la terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient là où l'esprit allait, et les roues s'élevaient simultanément avec eux, car l'esprit des êtres vivants était dans les roues. Et ainsi de suite, verset 21 également. Et encore une fois, remarquez que l'esprit de Dieu réapparaît. Les roues ne sont pas indépendantes et ne font pas ce qu'elles veulent. Exactement comme les êtres vivants avec leurs ailes, les roues se déplacent conformément à la volonté de l'Esprit de Dieu. Deuxième point essentiel, le mouvement qui est présent partout. Enfin, troisième point essentiel, le langage est effrayant. Il est question d'un vent impétueux, d'une grande nuée, d'une gerbe de feu d'une lumière qui rayonne, d'éclats étincelants. Un peu plus loin, au verset 13, il est question de braises incandescentes. Les êtres vivants ressemblaient à des braises incandescentes. Pareil à l'aspect de torches enflammées, avec un feu qui circule, qui jette de la lumière. Il en sort des éclairs. Imaginez les êtres vivants courir et revenir comme la foudre. Si on résume, on a l'impression que les éléments se déchaînent. Le feu, le vent, la nuée, les éclairs, la foudre, la lumière étincelante. C'est exactement comme ça que Dieu se révélait dans l'Ancien Testament. Nous devons donc nous attendre à ce que Dieu parle ou intervienne dans ces conditions. Pour le moment, retenons que Dieu a commencé à se révéler au prophète Ézéchiel. Il y a quatre êtres vivants avec des ailes, des roues. Tout bouge en fonction de la volonté de Dieu. Mais cette vision n'est pas terminée. Et dès demain, une surprise nous attend. Et elle est de taille. Au-dessus de ces quatre êtres vivants, nous découvrirons une voûte céleste. Et au-dessus de cette voûte céleste, rien de moins que le trône de Dieu. En attendant ce moment-là, eh bien souvenons-nous de l'importance de cette vision pour Ézéchiel. Lui qui vit dans des temps troublés en exil à Babylone, eh bien Dieu est son unique repère, Dieu qui se révèle à lui, Dieu qui ne vacille pas, qui est toujours là. Eh bien, c'est exactement la même chose pour nous aujourd'hui dans cette période de confinement liée au coronavirus, alors que la pandémie continue à se propager, que le nombre de morts et de contaminés continue à augmenter, le stress et la peur se répandent partout, eh bien, nous avons un repère, nous avons un refuge, Dieu. Dieu qui est tout puissant et qui continue à régner, même si nous, nous ne comprenons pas tout de sa volonté. Alors je prie que... Eh bien, cette révélation, cette vision d'Ézéchiel puisse nous faire du bien également. Révélation de Dieu. Dieu qui règne, Dieu qui est notre refuge. Que nous vivions ou que nous mourions, nous sommes en paix avec lui par Jésus Christ. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour chacun d'entre nous. Je vous dis à demain pour la suite de cette vision de Dieu qu'a reçue le prophète Ézéchiel. Bonne journée à chacun